Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana, je suis Razika. Nous sommes samedi 6 mars 2021 et je vous emmène à Action de Cervon. Allez, on va faire un petit tour dans tout ce qui est hygiène et beauté avec les soins, les masques et les crèmes. On a ces masques qui apaisent, rafraîchissants et avocat nourrissant. Donc c'est des masques en tissu. On a ces masques à base de collagène pour occuper et raffermir la peau. C'est 99 centimes. Ensuite, on a des masques pour les lèvres, 59 centimes. On a celui-là, hydrogel, et on a le masque lèvres dorées, 59 centimes. Alors, le rouge, on nous dit que c'est pour des lèvres douces et pulpeuses. Et celui-là, donc c'est plutôt pour adoucir et hydrater les lèvres. D'ailleurs, pour les lèvres, on a eu le stick, mais je vois qu'il n'y en a plus, il y en a plus en rayon. Les masques pour les yeux au concombre, 99 centimes. Ensuite, on a les fameux masques pour faire des selfies, 79 centimes. Donc, il y a le lion, alors je ne sais pas s'il y en a, il y en aura d'autres. Le lion, c'est à la grenade. Le lion... Ah, celui-là, soit quand je le vois, il me rappelle Coco. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Coco. Donc celui-là, il est à la rose sauvage. Alors, celui-là, c'est pour un effet nettoyant et celui-là, un effet hydratant. Donc après, vous avez des petits hashtags là, donc il faut vous prendre en photo et puis les poster sur les réseaux sociaux. Les masques gold, donc c'est des peel-off. Non, il y en a 5, voilà. Il y a un masque. Gel, hydrogel, il y a un peel-off, un patch pour le nez. On a un masque de boue et un masque pour les yeux. En fait, vous avez 5 masques pour les 5 différentes parties du visage et c'est 99 centimes. Les masques peel-in visage, 99 centimes. Alors, faites attention avec les masques peel-in, peel-off. Il faut bien respecter le temps de pose parce que sinon vous allez vous retrouver avec le visage tout rouge. Ce n'est pas des masques hydratants, etc. C'est des masques qui vont faire un peel-off, donc faites attention. Donc ça, en fait, c'est un masque pour nettoyer, exfolier la peau. Le masque visage au charbon, donc pour purifier le visage, 75 centimes. Les patchs, les fameux patchs au charbon pour le nez, c'est 99 centimes, les 6. Et justement, je vais vous parler de ça, puisque ma fille, quand on vous avait présenté les patchs pour le nez, vous avez parlé d'une autre gamme aussi qui est bien pour le nez, c'est celle-ci. C'est 1,69€, donc vous pouvez vous en mettre autour du nez pour faire un petit gommage en fait et enlever les points noirs. Le masque Bubble, alors ça c'est apprécié, c'est un masque qui est très apprécié. C'est 69 centimes et c'est rigolo parce que quand vous allez le mettre, voilà, vous voyez, ça va faire des bulles comme ça. 69 centimes. Les masques coréens. À 69 centimes, donc il y en a au caviar, il y en a un à la truffe blanche, il me semble qu'il y en a un troisième, je crois que c'est aux œufs le troisième, je crois que je le vois, et voilà. C'est des masques qui sont très appréciés, apparemment c'est des bons masques, moi je n'ai jamais testé ceux-là. Donc la protéine, donc pour une peau éclatante et plus douce. Donc à la truffe blanche, c'est prendre soin et calmer la peau sèche, donc le bleu là, si vous avez la peau sèche. Et au caviar pour dynamiser la peau. Ensuite, on a les fameux masques pour les mains. Donc moi, je les ai déjà testés. Donc c'est vrai que c'est bien, ça hydrate les mains. Mais après, si vous avez les mains vraiment sèches, vraiment abîmées, bon, c'est pas, non, je pense pas que c'est le soin qu'il faut. Mais si vous avez les mains, vous en prenez soin régulièrement et tout, c'est pas mal de faire de temps en temps un petit masque comme ça pour les hydrater un peu plus. 99 centimes. On a un autre masque peel-off au charbon. 79 centimes, toute peau. Les masques selfie party, c'est encore pareil, hein, c'est des masques en fait, il y a des petits dessins et tout. Donc celui-là, il hydrate et revitalise. Donc 75 centimes, on a celui-là. Alors celui-là, il y a un effet hydratant, alors c'est rigolo, j'ai un petit peu lu derrière, ils disent que c'est un masque pré-soirée. Donc à faire juste avant une soirée pour avoir une peau rayonnante. 75 centimes et avant d'enlever votre masque, vous prenez en photo et puis vous mettez hashtag selfie masque. 75 centimes.
Ensuite, on a ces masques que j'apprécie particulièrement de la marque Knepp. C'est 99 centimes. On a deux masques. Alors attention, quand vous achetez des masques où il y a deux parties comme ça, parfois c'est les mêmes, mais parfois il y a peut-être un masque hydratant et un peel-off, etc. Donc lisez bien pour voir si c'est les mêmes ou si c'est deux choses différentes. Donc ceux-là, c'est les mêmes, hein. 99 centimes. On a celui-là à l'huile d'argan et au beurre de karité Q10, 99 centimes. Celui-là, sel morte et macadamia. Donc celui-là, c'est un peel-off, un peeling doux. Ben voilà, c'est les deux qui restent. Habituellement, il y en a au miel, il y a plusieurs variantes, mais là, c'est les deux qui restent. On a des masques faciales animaux. Alors, les masques, donc celles qui n'ont pas l'habitude de faire des masques ou qui ne sont pas du tout soins pour les visages et qui regardent la vidéo, vont peut-être se dire, mais oui, mais bon, ça sert à quoi qu'il y ait des dessins, etc. Pourquoi faire un selfie, etc. En fait, c'est pour donner un petit côté fun. Et à savoir qu'en général, quand on fait un masque, c'est un moment de détente. Donc ça dure pendant 10-15 minutes. Donc c'est un moment voilà, de détente et pourquoi pas y ajouter voilà, des fleurs, c'est toujours plus agréable. Après, vous allez voir, hein, vous avez des masques sans dessin, hein. Vous avez ceux-là avec les animaux. Donc on a le panda. Donc c'est pour nettoyer les pores. Donc nettoyage des pores en profondeur. On a celui-là, le jaguar, donc avec des extraits de concombre, tout type de peau. Alors bien sûr, on choisit par rapport à l'effet, hein, pas forcément à l'image qu'il y a. Donc il faut essayer de trouver un masque qui vous convient. Donc là, il n'y a que panda et jaguar. On a ça, c'est un masque pour les yeux de nuit. Enfin, de nuit, je dis ça, mais en fait, il faut le faire juste avant d'aller au lit. Voilà, à utiliser avant de dormir pour les yeux fatigués et gonflés, infusés dans une formule ultra légère, enrichie en eau marine et acide hyaluronique. Donc voilà, donc il faut le garder 15 minutes. Alors je vous dis ça, je souris discrètement parce que la première fois que je vous l'ai présenté, je vous avais dit que c'était un masque qu'il fallait garder toute la nuit. J'en ai acheté un et puis arrivé à la maison, je l'ai testé. Donc avant d'aller dormir, je me suis dit mais comment je vais faire pour dormir avec un masque comme ça sur les yeux? Et après j'ai compris qu'en fait il faut l'utiliser, enfin le mettre 15 minutes et après l'enlever. Voilà, 99 centimes. Comme quoi, faut toujours lire quand même la notice. Et donc, j'ai eu. Ça va, c'est un masque que je referais. Voilà, c'est vrai que j'avais les paupières qui avaient dégonflé un petit peu, enfin, qui étaient moins gonflées plutôt au réveil. Et ouais, c'est un masque que je referais. Alors, il y a 2 semaines, dans un de mes hauls, je vous avais parlé aussi de ces masques faciales, 69 centimes. Alors, il y en a différents. Il y en a pour. Il y a des anti-âges. Et d'autres pour juste hydrater. Oh, je les ai classés. Il me semble qu'il en manque un autre, mais voilà. Donc voilà les 5 que j'ai trouvés. Alors ceux-là, c'est plutôt pour. C'est un anti-âge. Celui-là, c'est pour avoir moins de mini-ridules. Donc celui-là, un anti-âge. On a le nourrissant, donc à l'huile d'amande et vitamine E. On a celui-là au blueberry et extrait de yaourt. Et on a celui-là à la grenade et acide hyaluronique. Alors un masque qui a plutôt la cote, c'est ceux-là. C'est des masques glamour, donc ceux-là, ils sont pailletés. Alors il y en a un qui a vraiment la cote, c'est ceux au macaron. Je ne sais pas s'il en reste ou pas. Non, il reste que ces deux-là. Donc bubblegum et effet pailleté, c'est 99 centimes. Ensuite, masque à l'argile vert, 2,22 €. On a un exfoliant visage, nettoyant, anti-acné. Alors pareil, si vous avez de l'acné et tout, regardez bien les composants. Toujours tester un petit peu, comme je dis, au niveau du poignet ici, pour voir si vous ne faites pas d'allergie, etc. Et j'aime répéter, on n'est pas allergique à un magasin, à une enseigne, on est allergique à un composant. Que ce soit une marque Action ou une grande marque de cosmétiques, si le composant est dedans, on sera forcément allergique. Masque argile visage, anti-imperfection, 1,97 €. On a celui-là, on a le purifiant au charbon végétal actif. Et je crois qu'il y avait un troisième, mais je ne le vois pas. Donc c'est des masques à l'argile, hein. Purifiant et anti-imperfection. Donc 1,59 €, que ce soit le melon, la coco et le kiwi. Vous voyez, il y a des petites graines dedans. Donc, je suppose des petites graines du fruit pour faire un gommage du visage. Ensuite, cet outil de massage électrique, 3,79 €. Hop, donc pour masser des parties du visage. En fait, tout à l'heure, je vous ai montré un soin au charbon. Et en fait, je pense que ma fille parlait plutôt de celui-là. J'avais oublié celui-là. Donc, c'est pour faire
un peel-off. Et donc ça, je pense aussi que c'est bien pour enlever tout ce qui est points noirs et tout au niveau du nez. C'est 2,39 €. Rouleau de jade. Donc c'est un rouleau, donc il y a deux têtes donc pour les différentes parties du visage. Alors je vous conseille de le mettre au réfrigérateur. Donc, il y aura... Alors j'en profite pour faire une dédicace à trois personnes, donc Fatima, Isabelle et Hadja. Voilà, merci beaucoup. Alors, je ne sais plus du coup ce que je vous disais, donc roller pour le visage, 1,99 €. Il y a deux tailles, ça je vous l'ai dit. Alors ce que j'étais en train de vous dire, c'est de conserver au réfrigérateur et de le passer sur votre visage. Ça permet un petit peu de raffermir certaines zones, de dégonfler aussi un petit peu les poches sous les yeux. Ensuite, exfoliant pour le visage toute peau, 1,29 €. On a le purifiant nettoyant pour le visage, 1,29 €. Et le gel et gommage, 2 en 1, 1,69 €. De cette gamme-là, on a la crème pour le visage, 24 heures. Tout type de peau, peau sensible. On a la crème visage, pareil, 24 heures. Hydratante, pardon, le démaquillant de phase, les yeux et les lèvres. On a, ça j'aime bien, tiens, c'est la mousse. Alors, avant j'étais complètement réfractaire à la mousse et en fait j'ai acheté une mousse. Alors, ceux qui me suivent savent dans quelle enseigne, donc c'est ma deuxième enseigne chouchou. J'aime bien l'appeler comme ça et quand je suis chez elle, je dis deuxième enseigne chouchou pour action. C'est une mousse pour nettoyer en douceur la peau. C'est 1,98 € et c'est vrai que c'est assez agréable. Le rafraîchissant visage, 1,59 €. On a l'eau micellaire démaquillante, 1,99 €. Et la fameuse eau de rose visage, 1,56 €. Alors les crèmes, on a celle-ci, j'ai plutôt un bon retour sur la crème jour et nuit Botanicol pour peau sèche, 2,99 €. Après on a les Nivea, 5,99 €, 5,99 € et L'Oréal, 5,95 €. 2,99 € celle-ci, 2,99 € celle-ci. Alors de l'autre côté, je pointe mal avec le doigt, on va faire comme ça. Donc 2,99 € la crème de jour et nuit à l'aloe vera. Celle-ci aussi, j'ai des retours qui sont pas mal, 2,99 €. On a la crème de jour et de nuit à la vitamine E, 2,49 €. La diadermine, la crème de jour hydratante, 2,39 €. On a aussi cette fameuse crème. Gel bave d'escargot régénérant, 2,34 €. Alors celle-ci, elle est très très appréciée. Alors c'est vrai qu'il y en a qui me disent « Ah non, mais moi j'ai testé, elle ne me va pas du tout. » Mais j'ai beaucoup plus de retours positifs que négatifs. Alors je me souviens, il y a quelques années, quand elle était arrivée en rayon, c'était « Waouh, les gens faisaient la queue le matin pour en avoir. » C'était à l'époque pour les actions addictes, parce que moi-même je suis action addict. C'était à l'époque où ils avaient sorti la coiffeuse. Et aussi le nettoyant ménager, vous savez, au bicarbonate. Alors on venait le matin, les gens, enfin moi je faisais partie de celles qui attendaient pour la coiffeuse, que je n'ai jamais eue d'ailleurs, et qui attendaient soit pour ça, soit pour le nettoyant, soit pour la coiffeuse. On a un kit de soins du visage, charbon. On a cette gamme Superberry, donc c'est du sérum, donc 1,98 €. On a celui-là. Hydrate et apaise la peau, donc figue et curcuma. Celui-là, donc c'est Superberry, nourrit et hydrate la peau. Et celui-là, au baie de goji, donc aide à protéger la peau contre le vieillissement prématuré. Ensuite, on a une gamme qui est très appréciée aussi, Elisa Jones, super booster, donc 2,79 €. Normalement, il y en a 3, il me semble. Donc celui-là, il est lissant. Alors le sérum, c'est un peu particulier, vous savez, c'est un peu dense comme produit, c'est pas de la crème, hein, c'est un peu comme de l'huile, hein, c'est un sérum. Et en fait, soit vous l'utilisez comme ça avant votre crème, soit vous le mélangez à la crème, c'est comme vous voulez. Alors, celui-là, c'est un anti-tache. On a la gamme Elisa Jones aussi. Hein. Donc on a celui-là, c'est toujours du sérum au collagène. Donc sérum visage et décolleté au collagène. Et celui-là est à l'acide hyaluronique. C'est vrai qu'il faut appliquer aussi sur le décolleté. On a tendance à oublier cette partie, vous savez, le cou et le décolleté.
Et en fait, ça se voit après quand on prend de l'âge, parce qu'on a le décolleté qui a un prix des rides et pas le reste. Hein. Donc prenez vraiment l'habitude de descendre jusqu'au décolleté. Alors je vous dis ça, moi je ne le fais pas forcément, mais bon. Donc on a ça aussi qui a pas mal la cote, hein. C'est les sérums. Pareil, on est toujours dans le sérum de la marque Skincare. Donc celui-là, il est au thé vert, aux extraits de thé vert. Sérum protection cellulaire, protège et apaise. Côté vert et extrait d'algues dorées. Et on a celui-là, l'acide hyaluronique raffermissant. Raffermit et tonifie. Après, on a des doses comme ça de sérum. Pour le visage, toujours, c'est 79 centimes. Il y en a 5 aux extraits de plantes exotiques. Dans la gamme Elisa John, on a aussi ces crèmes. On a celle-ci hydratante à l'acide hyaluronique. Donc c'est 2,99. On en a une à la vitamine C et une au rétinol. Donc rétinol, crème visage nourrissante au rétinol nutripeptide, enrichi à l'hydromanil et huile d'avocat. Pour avoir une peau à l'apparence jeune, 2,99€. On a une crème visage hydratante, 2,99€, l'eau micellaire pour se démaquiller ou se nettoyer la peau. Alors encore une fois, comme je vous le conseille, on n'est pas obligé de s'être maquillé dans la journée pour se démaquiller. Testez, vous allez voir en passant une eau micellaire ou une eau démaquillante avec un coton, vous allez avoir, vous allez avoir le coton qui est tout noir, tout marron. Parce que malgré tout, surtout si vous êtes sorti ou pas, vous allez avoir tout ce qui est pollution, etc. Les démaquillants, 2,95€. Après, c'est vraiment une histoire de texture. Moi, je préfère l'eau micellaire ou autre eau. Le lait, je suis moins fan. On a aussi ça. Alors ça, j'ai déjà testé de la marque Nivea. Donc il est à 3,33€ donc pour nettoyer les visages. Donc il faut rincer à l'eau. Après, si vous préférez, il y a les lingettes. Hein. Voilà, si vous n'avez pas envie de faire coton, soins, etc. C'est 2,39€, c'est le pack de 3. On a coton organique, 79 centimes. Coton bio, on a ceux-là à 97 centimes. Et cela à 59 centimes. Voilà, voilà pour cette petite vidéo spéciale soins. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai aimé la tournée. J'ai aimé aussi vous rencontrer pendant le tournage de cette vidéo. Merci à tous. Je suis désolée, j'ai oublié de nommer certaines personnes parce que je ne vous ai pas demandé votre prénom. En tout cas, plein de gros bisous et à bientôt.